Salut, salut, on voit pas bien, je sais pas pourquoi. J'espère que vous allez. Oh, ça commence bien. Je commence déjà. Voilà. Non, c'est très. Un petit filtre, on dirait, un petit filtre pourri. Je lis. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais filmé. Je me rappelle même plus où j'en étais arrêté en fait. Oh. D'ailleurs, je sais même pas si c'est là ou est-ce que je dois aller ou si c'est là. Non, ça peut pas être là, d'accord. Ça peut pas être là. Ouais, j'avais fait une petite vidéo de Payday, d'Hector entre temps, et voilà quoi. Donc là, en fin de compte, les petits loups. Putain. J'ai mis du temps à dire le putain. Il est dans sa chambre droite, Barry. Tiens, mais je suis là, ma puce. Et je t'éclate. T'essayes de me faire peur? Voilà, t'es mort, c'est bien. Bon, c'est des trucs à prendre, j'en ai plein le cul de prendre ça. Je vais allumer ma torche, tiens. Ouais, je voulais vous dire aussi, j'ai un petit jeu. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien me faire un Dead Space 4 qui sortira pas avant 2020, j'imagine. Donc bon, autant dire que j'y jouerai pas. Je sais même pas s'ils en feront un autre, parce que j'ai été très déçu du 3, en fait. Tout simplement par le principe de... Le principe de quoi, en fait? Par le truc des armes en fait. C'était dans le 1 et 2 on pouvait booster les armes, mais le 3 c'était on chopait des trucs un petit peu aléatoirement, je crois. Et franchement, de la manière dont moi j'avais les pièces, ça faisait des armes qui me plaisaient pas du tout, donc j'ai préféré laisser tomber le jeu, quoi. Surtout que c'était en com, bon, ça aurait pu être sympa. Ou même tout seul, hein, je vous aurais vraiment vraiment bien fait volontairement un petit let's play, quoi. Alors attendez, parce que qu'est-ce qui me sort là-dedans là? Je sais pas trop où je dois aller. Alors. Si je dois aller là-dedans, quoi. En fait, je dois descendre. Non, on va prendre le truc avec l'escalier à gauche. Là. Voilà. Bref, on verra bien ce qu'il y a. Hein. J'ai une idée que c'est là-dedans. On verra bien. Et ouais, voilà. Par contre, ce que je vous ferai là bientôt, j'ai vu que sur Steam, il y avait un jeu qui allait bientôt sortir. J'ai le 1, mais bon, j'y joue plus. Hein. Mais j'y avais joué déjà pas mal avant, mais bon, après ça me branchait plus. C'est Killing Floor 2 en fait. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un petit jeu. C'est un FPS où on peut augmenter en niveau, en armes, en tout plein de choses. Par contre, ce qu'il y a, c'est que à ce truc là, c'est déjà c'est sympa. Mais c'est en fait c'est des vagues d'ennemis qu'il y a. Je crois qu'on est à on est Ça un va, petit Barry? une petite équipe. Merci. Quoi, ça va Barry, merci. Qu'est-ce que t'as toi? Je suis en train de parler là, j'explique des trucs aux abonnés. Qu'est-ce que tu racontes aux gens là? Enfin bref, voilà. Et tiens, je vais lui donner à les gamines. Tiens, joue avec ça. Et ouais, donc en fait j'étais en train de vous dire, ouais, c'est un petit jeu sympa. Et en fin de compte, avec ce jeu-là, vous pouvez augmenter en niveau, tout ça. Ça joue en équipe, hein. C'est très coopératif, donc c'est pour ça que j'adore. Et aussi, du coup, bah ouais, j'ai vu des vidéos qui m'ont beaucoup plu. Déjà, le 1 était assez sérieusement bien fait. Donc là, j'espère que ça sera bien optimisé. Je pense que c'est des bons studios, donc ça devrait aller. Et moi, bah, dès que le truc il sort en early access, je me rue dessus, quoi. Voilà, donc je vous ferai une vidéo présentation. Si ça plaît, j'en ferai d'autres, hein, certainement. Certainement. Un cocktail Molotov tout fait. Ça se casse ça? Oh putain, mais non, ça se casse ça. Ça, je me doutais bien que c'était un truc qui attirait l'œil. Par contre, c'est vrai que j'ai pas énormément de munitions. Hein. Je peux pas faire. Bah si, regarde, je peux faire une bombe artisanale. Moi, je vous touche pas, les gars, sinon vous allez sortir comme vous m'avez fait une fois. Ah bah, je peux monter, c'est plus simple. Voilà. Et ça c'est une horreur, ça, c'est d'être t'es qu'il y a un grillage en haut, un liquide en bas. Sympa le bug. Ah, je peux pas sauter là. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais déjà voir ce qu'il y a à faire. Je pense que en activant ça, je vais avoir des ennuis. Bien sûr que j'ai des ennuis. Avec ça, de toute façon. Mais c'est qui, il?
éliminer les ennemis parce qu'il y en a pas. Oh oui! Oh putain! Bouya! On va s'en sortir, petite. Heureusement que j'avais vu qu'on pouvait aller là-dessus. Par contre, ce qu'on va faire, je vais récupérer ça parce que je l'avais pas vu tout à l'heure. Je m'en fous du topaz. J'en ai rien à foutre. Putain, et l'autre qui va pas du tout jouer. J'en ai rien à branler des topaz. Moi, ce que je veux, c'est des munitions. Oh merde. Merde, putain, il va me planter l'autre. Ah putain, il va me choper. Putain, poussez-vous, bande de cons. Vas-y, viens, mon con. Ah, désolé. Sorry, dude, but you must to die. Tiens, t'as un corps au pied, je te l'enlève. T'as un corps à la cuisse, je te le retire. Vas-y, il est où le blaireau, là? Vas-y, viens, mon gars. Harry, il y a quelque chose ici. Ah, mais je le vois pas. Putain, je déteste ces frelons merdiques, là. Putain, alerte. Mais il est où, ce con? Il est où, Barry? Il est là. Ah, mais elle arrive pas à le voir, elle. Bah il est où le truc? J'arrive pas à le voir. Attends, est-ce que j'ai une bombe fumigène? Non, j'en ai pas, c'est dans ces bombes là que je regrette. T'as de la poudre chimique aux dents, enfin, je veux dire... Je fais une bombe fumigène avec ça. Alerte! Alerte! Niveau anormal de virus détecté. Harry, il y a quelque chose ici. Procédure de quarantaine activée. Fermeture des... Mais pourquoi on le voit pas là? C'est un bug ou quoi? Ah, en fait, faut tuer celui-là, de toute façon, je peux pas me barrer. Je peux pas me barrer sans moi. Bon, bref. Ah! Putain! Ah, c'est bon là? Non? Il y en a un autre? Ah, il y en a d'autres! C'est pas un autre, c'est d'autres! Bon, je vais prendre la vie moi. D'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Putain, je vois rien là! Attends, mais je vois rien, ma petite. Faut que je baise le gros là-haut parce que lui commence vraiment à me chauffer. Lui. Ouais, ok, super. Je suis mort ou quoi? Ah, j'ai toujours un peu de mal dans ces conneries. Fracasseur de glasp. C'est comme ça que tu t'appelles, un glasp? Tiens, mon gars, t'as pas l'air d'avoir mal, mais bon, je t'emmerde quand même. Oh l'enculé. Ah là, ça me fera une arme en moins. Voilà, sprint. Relève-toi, fais quelque chose, bouge. Qu'est-ce que t'es, toi? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je
sortir, moi. Il est mort, là, non? Non, mais il a mal. Il a mal. Ça se voit que je suis en train de le niquer. Eh bah, tiens, t'en as pas eu assez? Bah, crève. Oh, putain. Oh là, ça y est, l'autre. Attends, il a une crampe, là. Il a une crampe barrée. Putain, cours, mon gars. J'ai combien dans le gros truc? Bon, avec ça, ça devrait suffire. Vas-y, viens là, du coup. D'accord, très bien. Je peux pas monter. J'ai tué à la gueule. Ah, faudra que la petite lui détourne l'attention dans un truc. Que moi, bah. Accroupis-toi, putain. C'est bon. Il y en a beaucoup des connards comme ça et. Je préfère ça, merci. Tiens, prends tes jouets. Là. Voilà. Mais non, c'était pas de tourpeau. Hein. C'était pas de tourpeau, moi je vous le dis. Moi. Elle vient, la petite, là. Ah. Je vais reprendre ça. Voilà. C'était moins une. Putain, mais là, on les voyait pas, quoi, les mecs invisibles. Quoi. D'habitude, elle perçoit rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Principal, c'est que je me sois pas fait bouffer parce que ça m'aurait fait chier de recommencer tout ce truc là. Hein. Oh là, je vous le dis. Je vous le dis, moi. Tic, et tic, tic, et tic. Cette chanson. Ouais, j'entends rien, moi. Alors, pas de chanson. Tu hein. connais. Ouais, c'est tout bouffri. Je ne l'aime pas. Honest game to be, love to spend. Merde, la lumière. Génial. Ouais, qu'est-ce qu'il y a la lumière? Ah, elle marche plus, d'accord. Ah. Ok, bon là c'est très linéaire, ça va. Il y a un truc par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, la pute! Quelle grosse salope! Pourquoi, Alex? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est son. J'ai survécu, j'ai trouvé une autre échappatoire. Haine de Natalia. J'ai trouvé une autre échappatoire que la mort. Tout est de ma faute. Quand j'ai appuyé sur la détente à ce moment précis, la pensée de disparaître de ce monde, moi j'ai ressenti de la peur. Quelle ironie, les virus à l'intérieur de moi, décomposant mon corps jusqu'à la mort, m'ont sauvé. Je suis devenu laid hideux, je ne supporte pas mon reflet, ce n'est pas moi, cette immonde créature. Bientôt une autre, moi, s'éveillera. Haine de Natalia. Oh là. Ouais, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui. Putain, qu'est-ce qui. Rien que pour ce qu'elle a fait à la pluche de Natalia, je vais l'enculer avec ce que j'ai de plus grand. Moins de son cœur. Puissance 180, 650, 1100, 775. Ouais. Non, tout ce que j'ai, c'est très bien. Ouais, bravo Foster. On se prendre des vrais trucs dans la gueule. Allez, en route. On va pour niquer Alex là. Voilà, je savais qu'il allait sauter. Je m'en doutais un petit peu. Il est fatigué là. Il a besoin de repos comme moi. J'espère que ça va pas prendre un bail tout plein de trucs parce que dans 15 petites minutes je dois y aller. Je peux encore te détruire. Ah, carte. Il faut que je te détruise. Ah.
Elle va muter. On était déjà pas belle avant. À faire tomber sa cape là. Oh, quelle beauté. On voit rien mais bon. Elle a peur la petite. Oh là là, ça c'est de l'insulte, mais non même pas, parce que c'est vrai. C'est pas espèce de monstre, c'est carrément une glauquerie de monstre. C'est une... bien sûr ça. Élimine Alex, bon, parce qu'elle a fait à ta pluche, je vais la défoncer moi. Je te le promets ma petite Natalia. Ah, tiens. On va déjà regarder ce qu'il y a, bon elle est où l'autre? Bouteille vide. Bon, effectivement, ça me sert pas à grand chose. Pistolet, ça c'est bien ça. Bon, c'est sûr que niveau munitions. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui traîneraient pas par là? Je préfère faire oui, un bon petit ravitaillement avant de faire quoi que ce soit, effectivement. Bien, espèce de monstre. Pourquoi est-ce que tu la hais autant? En fait, ça ressemble à un chien, quoi. Juste avec une colonne vertébrale. Ouais, viens. Putain. Attends, parce que si elle se trouve, elle disparaît. Ah, ça, c'est bien, ça. Je le sens mal, là. Okay. Ça va, elle m'a pas touché. Elle se prend un truc sur la gueule. Ah merde le con. Oh le con, ça se passe très mal là. Bah j'essaie ma petite. Tiens espèce de salope. Ah merde. Pas autant que toi, prends-moi. Toi d'abord. Toi d'abord. Putain, mais elle monte pas son point faible. Je te procède. Hey, putain, mais laisse-la, cette connasse. Sur toi, t'es vrai, toi. Natalia. En fait, je tourne un peu en rond, mais bon, si ça peut me permettre. J'espère que j'aurai fini de la buter avant le temps imparti. Vite, combiné, alcool. Bouteille. Voilà. On va peut-être ressortir par là. Je vais bouger. J'ai plus d'autres trucs qu'on fait chier. Je suis la seule vérité. Vrai ou fausse. Merde, ce qui me fait chier, c'est que. Merde, fait chier, putain. J'aurais voulu qu'elle se barre là-haut. Ah non, là on voit pas son point faible, donc je préfère pas tirer avec de la grosse balle. La grosse balle on tirera quand on verra son point faible. Voilà, on va la laisser se consumer.
Là, elle passe là-dedans, en fait. Je sais plus exactement comment ça faisait, ça. Merde, la salope. Oh, la pute, putain. La grosse connasse de merde. Voilà, c'est bon, on la joue un peu mieux. En fait, faut suivre au bruit. Putain, vite. Oh, putain. Il faut que j'arrive à faire des bons tirs quand elle descend. D'accord, super. Je comprends pas, tout à l'heure j'avais ça et ça me faisait un genre d'autre viseur en fait. Oh putain. En fait on voit rien. Voilà, super. J'en ai dû qu'il faut courir par là. Ouais, je pense qu'elle devait me savater du cul. Voilà, ça c'est pris. Je pense qu'elle va. Allez, s'il te plaît, putain. Putain, j'arrive pas à tirer quoi. Putain, c'est les boules. Putain, c'est... En fait, ça sert à rien de lui tirer dessus. Là. Ça lui fait rien quand il est comme ça. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, là pour le moment on y est. Il y a peut-être des trucs à piquer par là, non? C'est là. Oh putain! Merde! Ah d'accord. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a des trucs qui me tapent alors que l'autre est de l'autre côté, d'accord. Il y a des trucs qui me tapent. Bien, connasse. Quel beau bruit. Vas-y, rentre dans ton tuyau. Voilà. Putain, la connasse là. Bon, on va se laisser pas baiser. Oh là là, putain, quand elle balance ça, putain, ça fait des saccades là, laisse tomber. Bon, elle est un peu toxique. Oh. Super. Très bien. Merde, elle est là. J'ai pas. Ah yes, cocktail molotov. Ça va, il y a des trucs qui pleut quand même. Oh, attends. T'es où ma grosse? Bien. Encore. Ah, elle est pas bien. Genre elle est morte. J'y crois pas trop. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Mais bon, au moins, il y a une étape de passé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la choper, lui mettre une bonne balle dans la gueule, je pense. J'espère qu'elle va pas se barrer avec la petite. Avec les vermisseaux là, qui gisent de partout. Elle s'est énervée, la petite.
Elle fait quelque chose, toi. Elle va revivre. Elle va pulvériser l'autre truie. Et bah voilà. Oh putain, il a carrément coupé la main. Bien fait pour sa gueule. Du bonheur. Elle était surprise là. Elle a explosé encore une main. Elle a carrément retiré le cœur, d'accord. Ah, et toutes ces particules, ils se désintègrent. Par contre, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait graphiquement et c'est bien fait pour sa gueule aussi. Et... Bon bah elle a de puissants pouvoirs la gamine. Natalia ? Qu'est-ce que tu... Natalia ? Maintenant tu peux m'appeler... Alex. Alex. Ah merde. Non, me force pas à le faire. Elle est rentrée dans son corps ou je sais pas quoi. Te forcer à quoi, Barry? Barry. Ouais, et ça se termine comme ça, non? Je crois qu'il y a plusieurs fins, alors je sais pas si j'ai eu les bonnes moi. Ah, j'ai fini? J'ai fini le jeu, ouais. Et ben voilà, enfin débarrassé de ce jeu. Allez hop. Ah, c'est un bon petit jeu, hein. Non, peut-être pas trop non plus poussé jusqu'à là, mais bon. Oh, c'était une expérience en plus des autres Resident Evil. C'est sûr, je préfère les autres, moi. Enfin, 4, 5, un truc comme ça, quoi. Le 6 aussi, c'était au niveau des mouvements, c'était top. Franchement, au niveau gameplay, le 6, c'était bien, mais au niveau munitions et tout ça, c'était pas terrible. Enfin, je sais pas, j'aimais pas la partie trop bourrine. Il y avait plus trop de Resident Evil, tu sais, dans le 6, quoi. Mais tout ce qui était maniement du personnage, les actions, c'était juste parfait, quoi. Il devrait faire un truc bien flippant, mais avec le gameplay du 6. Alors là, par contre, je suis super preneur, là. Voilà. Bon, bah bref, bah écoutez, c'était sympa, mes petits loups. Et puis, bah, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis, bah, après, je trouverai un autre jeu à vous filmer. Voilà, à plus tard. Ciao, ciao.